Bonjour et bienvenue à cette première journée nationale des myélodysplasies. Nous avons le plaisir de vous accueillir en tant qu'association de patients, connaître et combattre les myélodysplasies, avec la contribution des médecins du GFM, le groupe francophone des myélodysplasies. Cette demi-journée va être l'occasion d'une rencontre où nous allons, nous professionnels, essayer de présenter ces syndromes myélodysplasiques ou myélodysplasies. D'une part, les approches de type biologique, d'où vient cette maladie, quels sont les gènes en cause, et d'autre part, évidemment, les progrès thérapeutiques dans cette maladie, puisque les progrès thérapeutiques, ils commencent à venir de façon de plus en plus importante. Nous avons l'occasion dans cette journée d'échanger avec les médecins, d'échanger entre nous, patients, et de nouer des contacts dans un cadre un petit peu moins conventionnel que le cadre de la consultation. On attend surtout de pouvoir ouvrir à plus de monde les connaissances sur cette maladie. Ce n'est pas la France entière, ce sont les personnes et les familles des personnes qui sont atteintes de myélodysplasie pour qu'ils puissent au moins dans ces 6 régions trouver un lieu de rencontre entre eux et aussi de réponse aux questions très précises qui se posent et auxquelles les médecins pourront répondre. Nous espérons de ces journées qu'elles vont permettre à beaucoup de patients atteints de cette maladie de mieux connaître à la fois le GFM et l'association Connaître et combattre les myélodysplasies de façon à ce que nous puissions ensemble mieux progresser dans ce domaine.